What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera consacrée à perte ou chute des cheveux. Sans plus tarder, on y va. Alors souvent, globalement, on a appris que quand on manipule ses cheveux et qu'on voit des cheveux longs, à peu près comme notre longueur, c'est des cheveux morts. Et quand on voit des cheveux courts, courts plus que nos cheveux, c'est de la casse. Donc, au fait, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai remis ça en question. Je me suis dit, de un, en général, les cheveux sur notre tête n'ont pas la même longueur. Je vous promets, j'ai les cheveux qui arrivent là, à peu près, voilà, à ce jour. Voilà, mais j'ai des cheveux dans mes cheveux qui arrivent, qui sont de cette longueur-là. Et il y en a même qui sont comme ça, à l'intérieur, hein, un peu partout, à l'extérieur, bien évidemment, ce qu'on appelle les baby hairs, à l'extérieur aussi, mais aussi à l'intérieur. J'en ai, voilà, de cette taille-là, à peu près. Donc, en manipulant souvent mes cheveux, je remarque des cheveux courts, des cheveux moyennement courts. En fait, toutes les pertes, en parenthèse, de cheveux que j'ai ne sont pas de la même longueur. Donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, ils n'ont pas la même longueur. Pourquoi? J'ai cherché à comprendre. En général, on nous dit aussi que quand on observe le cheveu, pour savoir si c'est un cheveu cassant ou si c'est un cheveu mort, il fallait qu'il y ait le bulbe. Ça aussi, je l'ai remise en question. Pourquoi? Tout simplement parce que un jour, en sortant dans la douche, de la douche, j'ai remarqué que enfin, j'ai remarqué plein de petites bulbes sur mon bras, plein. Et ces bulbes-là, il n'y avait pas de poils dessus. Donc, je me suis posé la question. Ah, donc, on pouvait perdre des poils. Le poil peut sortir sans son bulbe, au fait. Donc c'est ça. Si les poils du bras peuvent sortir sans bulbe, donc forcément, enfin, je suppose que les cheveux aussi peuvent sortir, peuvent tomber sans bulbe. Donc d'où la question, d'où la grosse remise en question de l'idée reçue, ou bref, on s'en fout, de cheveux courts, ça veut dire casse. Cheveux longs comme nos cheveux, ça veut dire forcément perte de cheveux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout simplement, comme je vous ai expliqué, on n'a pas les cheveux de la même longueur. Prenez juste un brin de cheveux comme ça, vous allez voir, vous allez avoir plein de longueurs différentes. Voilà, de un. Et comment? Voilà, on n'a pas. C'est pas parce que c'est court, forcément court, que c'est de la casse, ou c'est pas forcément long. Voilà, que ce n'est pas de la casse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je me fais comprendre. Donc, pour illustrer tout ça, j'ai gardé une petite partie des cheveux que j'ai perdus, que j'ai essayé d'observer. Voilà, il faut tout le temps observer. Vous connaissez, j'observe beaucoup. Et au fait, j'ai remarqué qu'il y en a qui n'avaient pas de bulbe quand on le voyait comme ça, qui était court, qui n'avait pas de bulbe, à l'œil nu comme ça, quand tu le mets dans ta main, tu ne le vois pas. Mais au soleil, on voyait bien le bulbe blanc. Donc ça dépend aussi. Si le bulbe est super petit, il y a des bulbes qui sont hyper fins, on ne peut pas voir. Donc la personne qui voit, par exemple, ou si vous voyez un petit cheveu et qu'il n'y a pas de bulbe dessus, vous allez directement déduire que c'est de la casse. Alors que ce n'est pas forcément de la casse. En général, moi, personnellement, quand je manipule mes cheveux, des fois, je vais hyper rapidement, voilà, je manipule, je vais vite, et j'entends ca. En fait, quand un cheveu casse, quand vous manipulez du moins vos cheveux, quand ils se cassent, vous entendez bien le bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça. Un cheveu, quand ça se casse, quand vous le cassez, en fait, ça fait un bruit ca. Donc voilà. Bref, tout ça fait que j'ai remis tout ça en question. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, on va observer les cheveux, dans ce cas les miens,
C'est les seuls que j'ai pour le moment. Et pour vous montrer, pour vous illustrer un peu ce que je dis en blablatage. Sans plus tarder, on y va. Donc voici à la caméra mes cheveux, qu'on va essayer d'agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Voyez, là on voit presque rien. Je sais pas si vous voyez, on voit pas de bulbe, on voit que dalle. Donc on va essayer, on va pas tous les faire, hein, sinon la vidéo va être hyper longue. On va juste essayer de prendre un petit et un long pour vous montrer que sur le petit aussi, il peut avoir un bulbe, un tout petit bulbe qui est invisible. Voilà. À de suite. Donc, voici le cheveu numéro 1. Donc, c'est le long, enfin le plus long des deux. Ça ne représente pas mes cheveux le plus long, on va dire ça comme ça. Vous voyez, voilà le bulbe. Voilà. L'espèce de truc, vous voyez, l'extrémité est un peu gros, au fait. Si vous voyez, si vous observez bien, vous allez le voir. C'est pas évident, mais voilà. Et comparé à l'autre extrémité ici, que je vais essayer. En tout cas, la caméra va essayer de focaliser là. Vous allez voir. Par rapport à celui-là, vous allez voir la différence. Donc, vous voyez, c'est moins gros. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça de plus près, avec la lumière du soleil, ça donne pas tout à fait ça en vrai, quoi. En vrai, on voit vraiment le truc blanchâtre. Mais à la caméra, on voit pas. On voit juste. Allez, ça disparaît. C'est pas évident du tout, hein, de focaliser sur la petite mèche là. Donc, voici l'autre extrémité. Vous voyez la différence entre la première extrémité et la deuxième extrémité. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. À l'œil nu, ça se voit. J'ai pris typiquement ces deux mèches là pour vous montrer que là, à l'œil nu, je voyais pas de bulbe, quoi. Si je faisais pas vraiment attention, voilà, j'aurais pu croire qu'il n'y avait pas de bulbe. D'ailleurs, au début, j'ai cru qu'il n'y avait pas de bulbe en faisant vraiment, en regardant à fond. C'est là où j'ai remarqué un bulbe. Et voilà, pareil aussi pour le petit cheveu. Donc, si vous le voyez, l'extrémité, pareil, c'est plus gros que l'autre extrémité. Et voilà la première extrémité, vous voyez. Cette de boule un petit peu gros là. Voilà, c'est ça le bulbe. Et là, vous voyez la pointe. Voilà, de toute façon, celle-là, elle est bien bien présentée parce que la pointe, elle est fine. Voilà, voilou. À de suite. Les cheveux en image normale. Les autres, je les ai grossis. Hein. J'ai grossi la caméra pour pouvoir vous montrer le bulbe. Donc, conclusion, la conclusion à tirer, c'est que c'est pas forcément les cheveux courts qui sont de la casse, pas du tout. Il faut vraiment les observer attentivement. Et même s'il n'y a pas de bulbe, il y a des cheveux qui tombent sans bulbe, forcément, qui tombent pas forcément avec leur bulbe. Donc voilà, en tout cas, c'est mes observations à moi que j'ai essayé de partager avec vous. En général, moi, quand je manipule mes cheveux, c'est moi qui les casse sans faire exprès, en fait, sans faire exprès. Quand je vais vite et dans une mauvaise manipulation, j'entends K. Donc voilà, et j'ai surtout fait cette vidéo pour essentiellement une Taina qui m'a posé la question. Voilà, donc c'est fait. C'est intéressant, j'ai mis du temps à observer, à voir, à remettre tout ça en question, de voir le faux du vrai, d'essayer de démêler le faux du vrai. Après, il peut y avoir de la casse, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, voilà, forcément, il y a jamais de la casse. Sans qu'on entende l'effet K, ça peut arriver, mais juste ne vous alarmez pas.
Quand vous voyez des tout petits cheveux, ne vous dites pas, ah, mes cheveux se cassent et panique, panique à bord. Après, si vous faites les bons soins, si vous les entretenez bien et qu'ils poussent, l'essentiel, je pense, à mon avis, c'est de ne pas se focaliser sur la casse. Le mieux, c'est de prendre soin de ses cheveux, naturellement, mettre les soins qu'il faut et de voir si ça pousse. Si ça pousse, c'est bon. Si ça pousse pas, supposons que vous êtes arrivé à cette longueur-là et que ça pousse plus, peut-être que c'est votre longueur génétique, que vous ne pouvez pas dépasser cette longueur-là. Mais en général, l'idée reçue selon laquelle un cheveu court, c'est le lacas, et le cheveu long, c'est de la chute, n'est pas forcément vraie. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous, prenez soin de vous, la vie est courte. Ciao!